va vous offrir un convoloï. Noyer de bleu sous le ciel bleu, un enfant, deux enfants, trois enfants, chantez gaiement. Alors, ta. Attends, parce qu'il faut... Oui, Thierry Ardisson, oui, c'est pas con, ouais. Je crois que c'est un loyer de 48, c'est pour ça qu'il est toujours... Bonsoir. Oui, bonsoir. Au quatrième étage, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Vous travaillez pour Thierry ? Faut arrêter, hein. Qui c'est ? Une jeune femme et un jeune homme. Ouais. Ils n'ont pas nommé. Ah ouais. Ils n'ont pas dit leur nom. Ils n'ont pas dit leur nom. T'as ouvert ? J'ai pas encore ouvert. Ouais. Mais... Ah. T'as ouvert la porte d'en bas. Je peux claquer la porte aussi rapidement. Regarde par le Judas. Oui. Ah oui, dans les constats. Vous avez constaté, si vous avez un problème, vous n'avez qu'une bonne mère. Bonsoir. Oh, bah, c'est vrai donc qu'il habite là. Mais oui, c'est pas une... Hein. Ça va bien? Bonjour. Salut mon bonhomme. Salut Thierry. Ça va bien? Ça va. Toujours ravi de venir chez toi. Oh, toujours. Écoute, c'est toujours aussi beau d'ailleurs. Bon, moi je vais directement à table. Si vous voulez vous déshabiller. Ah ouais, d'accord. Non, parce que c'est un peu spécial ce soir. Ah, il y a toujours tes lampes avec tes plumes. Et toutes ces vestes au raccord, ça c'est. Aïe. Arsenide, enfoiré. Ah oui, comme ça, tu obliges les nains à se coucher tout de suite à faire. Oh Thierry, j'ai tellement mal. C'est pire que tout. Imagine, t'es là, il y a une gonzesse qui est sur le lit, qui t'attend. Et toi, tu fais le bel homme. Et là. Ah, oui. Et tu te niques le genou. Oui, mais en même temps, tu m'as niqué un truc. Tu te niques le genou. Et voilà. Comment ça va alors? Bah écoute, tu fais ton film, toi? Bah alors, il est fini, ça y est, il est au mixage, il sort au mois de juin. Ah ouais? Voilà. Tu as choisi les émissions que tu vas faire, ça y est, c'est réglé. J'en veux au moins une. Il rameute à chaque fois. Non, ça va. C'est son petit truc. Non, ça va. Non mais Michel, de toute façon, tu peux pas ne pas faire une émission avec Michel. Michel a été de toutes les invités que j'ai eues. À chaque fois que Michel est là, ça a été du rire, et ça a été de l'esprit. Et ça a été... On doit être dans les records même, Michel et moi. De... Ah ouais. Hein, ah je crois qu'on en a quelques-uns. Tout le monde en parle, je crois que vous êtes les... Je crois que je suis devenue au tout début ouais. même. Ouais. Tout début, les premières émissions. Il y a 7 ans. Oh. Bah tu vois. Alors ton film, c'est fini. On est contente? Ben oui, je suis contente. Je suis très contente. Déjà de l'avoir fait. Ouais. D'avoir pu avoir un producteur. C'est Berry, le producteur. Berry qui allait s'en faire. Ouais. Et en fait, il est venu un samedi soir tout seul. Ouais. Et on me dit, il y a Claude Berry dans la salle, il veut te voir après. J'ai mis sur la Claude Berry. Il veut te voir à poil ? Il veut te voir après. Ah oui, ça m'étonne. Je me suis dit, c'est un peu rapide ton producteur. Et tu sais, comme dame, on fait oui, bien sûr, Claude Berry veut me voir. Ouais. Il est venu samedi, un samedi soir tout seul, il a payé sa place, pas bien, tu vois. Mais il est comme ça, oui. Ouais. Et je le vois débouler dans la loge. Adorable, il me dit, je te préviens, si tu fais un film, c'est pour moi. Il est sur le coup, voilà. Pépère. Hein. Nous, on n'a pas fait finalement avec lui, pas parce qu'on s'est pas entendu, mais parce qu'on avait une vision tellement personnelle avec Yvan, de notre scénario, et Alain Capoff, qu'en fait, on a eu envie de tant de subir l'échec, mais de, tu vois, qu'il n'appartienne qu'à nous, et que le succès nous appartienne aussi. Ouais, ouais. Et on s'est dit, on a déjà une idée de la manière dont on veut le produire, le réaliser, le faire, l'écrire, donc en fait, on est parti tout seul. Vous allez produire d'autres films, alors? Ah, moi, maintenant, j'ai en fait... Ça t'a donné envie de ouais, faire autant de réaliser, d'ailleurs, ouais. Je vais réaliser, je vais toujours jouer. Ouais. Mais cette année, je me suis associé avec Jean-Yves Robin, ouais. Qui produisait Caméra Café. Calte. Ouais. Calte, et on s'est associé pour produire maintenant et développer des traitements et des scénarios. Ouais. Donc là, j'ai deux scénarios sous le coude. Puis garder la prise sur l'échelle. C'est souvent des premiers films, c'est souvent des films de gens qui ne sont pas des réalisateurs confirmés. Que tu regardes cette année, tous les films qu'on marche, c'est des premiers films. Le choriste. Mais oui, mais même, regarde tout, tout pour plaire. C'est tiré d'une série aussi, c'est un peu différent. Vous, c'est différent, mais la fille de Tout pour plaire, elle était. Cécile Tellerman, c'est son premier film, elle bossait au CNC. Non, mais il y a peut-être un petit peu de nouveauté par rapport à ça. Les gens ne voient plus le cinéma de la même manière. Il y a quand même une grosse évolution. Et on reste pas sur des vieux machins qui nous ont fait rêver aussi d'ailleurs. Moi, ce qui me plaît, c'est que le cinéma français est suffisamment diversifié pour offrir du Audiard, du Jacques Audiard, du Espace Détente, du Is No Good pour les gosses et du. Et l'esquive ou des choses comme Roi ça. Roi et Reine de Pléchin, tu vois. Et c'est bien que le cinéma français arrive à défendre ça. C'est la preuve que le libéralisme, l'ultralibéralisme, c'est de la couille en barre. Parce que si tu veux, le cinéma français a été protégé avec des lois qui ont été votées pour le protéger. Et il a survécu par rapport au cinéma italien, au cinéma allemand, même au cinéma anglais. Alors que les cinémas qui étaient dans un univers libéraliste ou ultra-libéral,
Ils sont morts. Voilà. Mais attention, ça veut dire qu'à un moment, on pas il faut corriger le marché par des lois, tu vois. Mais attention, hein, la bataille n'est pas totalement gagnée encore. Hein. Oh, j'ai cassé, non. Ah, c'est quoi, c'est ton doudou, c'est ton gris-gris. J'ai cassé mon doudou. Raconte-moi l'histoire de cette couille de castor qui te tient à cœur. C'est une couille de furet. Une couille de furet. C'est une couille de furet. On a cassé un furet pour faire un truc à ton papa. J'ai cassé mon jouet. C'est dégoûtant. Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est Hélène. Au quatrième étage, s'il vous plaît. Merci, à tout de suite. Comment ça va? Ça va et toi? Tu m'avais attaqué déjà? On a attaqué au champagne, c'est tout là pour le moment. Ouais. Viens dans ta chambre. Dis-moi si elle te plaît. Est-ce que tu aimes ta chambre, Hélène? Est-ce que tu crois que tu te plairas c'est ici? Un peu chargé pour moi. Ah bon? Ça fait très réaliste. Ouais, ouais, ça fait un peu. Ça fait un peu chambre de cocotte surtout. Oui, ça fait un peu pompadour. Hein. Ouais. C'est joli, c'est d'époque? Non, c'est du Faubourg Saint-Antoine. Ah non, non, c'est cheap. Oh la voilà la belle Hélène Segarra. Tu sais quoi, il y a trop de gens qui t'aiment. Bien ça. Je croyais vraiment que tu venais en solo. Oui. Ça y est, on est parti sur les genoux foireux. Quand est-ce qu'il vient, Roucas? Messieurs, la croquette. Oh, ma croquinette. Ça va? Et toi, ma chérie jolie? Oui, ça va. À la tienne, ma chérie. Tienne. Oh, t'étais où en vacances alors? J'étais dans les îles avec mon mari, mes enfants. Dans les îles, ça fait très longtemps. À Saint-Martin, j'étais. À Saint-Martin. Dans les Antilles. En fait, j'ai des amis là-bas et j'ai décidé. Tu sais que j'étais malade? Bah oui, tu devais venir, tu devais faire, tout le monde en parle et t'as été malade. Un truc de fou, un champignon. Sous le doigt de pied, épouvantable. Mais j'ai gardé des séquelles. Oh là là, j'ai une pustule dans le nez. Il y a trop de gens qui. Non, j'ai embrassé un fan qui avait la varicelle, je ne le savais pas. Et j'ai jamais eu la varicelle. Oh, et les maladies d'enfants qui sont bénignes pour les enfants. Ah, c'est terrible quand on est grand. C'est pour les gros. Oui, et rougeole la pire. Et donc, je rentre à la maison et. Pendant 15 jours, normal, tu vois, 15 jours après... Un léopard. Mais... terrible. Pourquoi t'embrasses les fans? Je leur fais des petits bisous. Il y a une jeune fille qui m'attend devant, qui s'appelle Magali, qui vient de Marseille. Tu sais, quand ils font le chemin comme ça, tu les embrasses. Hein. Ah oui, ouais, ça, c'est vrai. Ça, tu peux pas comprendre. Tu les renvoies pas chez eux. Tu n'as que mépris pour ton public. Non, pas du tout. Non, non. J'embrasse. Ah, t'as vu, là-dessus. Ah, mais non, de vous. Ça s'attrape le coup. Je sais, je fais des photos, moi, toute la journée, je suis là. Thierry, Thierry, allez, on fait une photo et tout. Je voyage en 200 bandes aussi en me disant, je vous ai amené les photos où on est. Ça, je connais par cœur, c'est horrible. À Fos-sur-Mer. Je suis passé à Fos-sur-Mer, moi. Rien d'autre. Là, tu amènes les photos où tu es avec. C'est extraordinaire. Mais moi, plus fort, quand je chantais en piano bar il y a 12 ans sur la côte, je fais une photo avec deux mecs et il n'y a pas longtemps, ils me renvoient la photo, ils viennent sur une émission et tout. Et à l'époque, j'étais tellement monstrueuse sur cette photo que j'avais signé « Je suis moche, mais je compte pas rester toute ma vie signée Hélène ». Comment il va ton Jules alors? Mon Jules, il va bien. Tu vas l'appeler, là, il va passer boire un coup. Il est trop timide. Il dit, franchement, s'il voit un mec qui dit pas un mot... Mimi, il est pas timide? Il est très timide. Franchement. Et comment il a osé te draguer alors? C'est moi qui l'ai dragué. Ah voilà, ouais. Voilà, ça, voilà. Mais on est obligé. Et le soir où tu étais à mon anniversaire, je suis pourquoi t'as été pris pour draguer un mec? Je suis pas dragueuse d'habitude. J'ai horreur d'être draguée. J'ai horreur d'être draguée, je trouve ça... En plus, il y a très, très peu de mecs qui draguent bien. Hein? Ah, ça, c'est vrai. Exemple, dans une boîte de nuit dans le sud, une fois, un mec qui fait le tour de la boîte, il me fait « J'ai fait le tour de la boîte, c'est toi. » Alors ça, déjà, ça me calme direct. Ça, ça me calme c'est direct. Pas mal, c'est pas mal, surtout si... Moi, si une gonzesse vient me voir, mais j'ai fait le tour de la boîte, c'est toi, je suis content. Non, mais ça, ça n'arrive jamais, ça. Tu sais que moi, je dansais jamais les slows. Je dansais jamais les slows en boîte. Et ce soir-là, j'avais fait un pari avec mes deux meilleures copines et j'avais dit, voilà, la dernière à se faire... Paris de cagole. Paris de cagole. La dernière à se faire inviter à danser le slow, elle invite toutes les autres au resto. Au night, à l'époque, on allait au night ailleurs. Donc, déjà, il commence, il me dit, comment t'appelles? Je lui dis, je m'appelle pas. Après, il me fait, et tu fais, tu travailles? Alors, je voulais pas lui dire, je dis, non, je suis étudiante, tout ça. Puis, il me fait, étudiante? Tu cherches pas un peu de boulot? Je dis, oh, je vais voir quand j'aurai terminé mes études, tout ça. Et puis, à la fin du slow, au milieu du slow, il me fait, si tu veux, j'ai un super plan. Je me suis inscrite pour les vendanges, là, si tu veux, on les fait tous les deux. Oh, c'est mignon. Et après, il est venu s'asseoir à côté de moi et moi, je savais plus comment m'en défaire. Et puis, il buvait un peu comme ça.
Et puis au bout d'un moment, il faisait. J'ai eu un truc très mignon. Moi, je voulais me tirer, mais il était assis sur mon manteau. À Carcassonne, dans un bar. Assis sur son manteau qu'elle voulait se tirer, mais qu'elle n'arrivait pas à partir. C'est grand. À Carcassonne, dans un bar, tu vois, Carcassonne. Quand on est venu du reste, il y avait pas de mal de monde et tout, et on était autour d'une table comme ça, un peu en hauteur, et tout d'un coup, il y a un mec qui sort, mais un tout petit mec, vraiment tout petit, un petit, tu vois, tout maigrichon, machin. Il arrive vers moi, il fait comme ça. Bonsoir. Oui, bonsoir. Est-ce que je peux vous draguer? Oh non, ça c'est bon ça. Ça c'est très bon. Non. Il me fait. Bon, mais c'est pas grave. Bonne soirée. Mais c'est très bon ça. Moi, le mec, il perd pas son temps. Incroyable. Comment tu as dragué Mathieu? C'était le soir de mes 30 ans. Oui. On fait une fête. Comment on drague, quoi. On me remet un disque de diamant pour mes 30 ans chez Maxis, machin. Ah ouais, ouais, bon, oh, voilà. Bon. Diamant. Surtout, moi, c'est mon style. Ça veut dire un million, diamant, non? Oui. Et j'invite Mimi, j'invite toutes mes copines, Morane, tout ça et tout. Et puis après, il y avait tous les gens, maison de disques, machin. Donc, il y avait un grand dîner. Et puis, donc, j'avais la moitié des gens que je connaissais pas. Et toutes mes copines, ça faisait un an que j'étais célibataire quand même, après une rupture avec un mec. Toutes mes copines affamées. Et toutes mes copines, non. Mes copines, depuis un an, aucune. Ça faisait un an qu'elles essayaient de me caser. Elles essayaient de me caser. Donc, toutes, elles s'étaient donné le mot, elles m'avaient toutes ramené un mec à me présenter. Mais tout le truc que j'étais, c'est le truc téléphoné à mort, c'est Hélène, c'est. Je te présente, voilà, Hélène, machin, puis toi, t'es là, oui, super, bonjour, et tout, machin. Je m'appelle Hélène. Et j'étais hyper mal à l'aise. Et puis, finalement, tous les mecs qui étaient comme ça, accompagnés mes copines et que ça sentait le Trafalgar, le coup de Trafalgar à 2 km, je fuyais, tu vois. Sauf que quand je monte l'escalier, en haut de l'escalier, je vois un mec avec des yeux mignons, comme ça. J'ai dit, oh, il est mignon, lui. Mais le mec, il me regarde et il me sourit, mais il baisse les yeux en même temps. Je dis, oh là là, j'adore. D'accord, ok. J'ai compris. Non, mais faut noter, là, tous les trucs. Benjamin Violet, un peu. Non, le temps que je regarde, il disparaît, tu vois. Bon, après, on passe à table, je me fais happer par tout le monde, machin, on dîne. Et puis, à un moment donné, pendant le dîner, je l'aperçois à notre table. Donc, je fais un peu ça. Et il se retourne juste à ce moment-là. Et moi, c'était pas discret, j'étais là comme ça, tu vois. Et lui, il se retourne juste à ce moment-là. Et il boit pas, tu vois. Ah. Et ce soir-là, en fait, on l'avait fait un petit peu picoler du vin blanc. Donc, il se dit, non, elle me mate pas, j'ai bu. C'est très mignon. Oui, et puis alors, en fait, je ne savais pas du tout qui c'était. En fait, il était journaliste et il venait faire un sujet sur les disques de diamants. Et donc, Orlando et moi, on dit un petit mot, on fait un petit discours. Et Orlando et moi, hyper émus, parce qu'il arrive, il dit que ça fait depuis Dalida qu'il n'a pas remis un disque de diamants. Dalida était la première à en recevoir un. Et moi, j'ai dit que j'ai rencontré un homme blessé et que je suis contente de lui avoir apporté quelque chose de tendre. Et là, sur ce, on se regarde, les larmes, machin, tu te rappelles, ouais. Et Orlando, c'est un gros émotif comme moi, tu vois, donc on se regarde, les larmes aux yeux, tout ça. Et là, il y a un mec qui me dit, excusez-moi, je peux vous poser quelques questions? Et je me retourne, les yeux pleins de larmes, et le mec me fait, et c'était lui. Et il me fait, non, oh, non, non, c'est bon, je reviendrai. Et je lui dis, non, non, mais non, venez, venez. Et alors, il me pose ses questions. Et au bout d'un moment, tu sais, j'étais tellement émue et tout. Et puis, en plus, c'était mignon, tu vois. Donc, finalement, je savais plus quoi dire. Et le mec, il n'arrivait plus à me poser une question. Oh. Et donc, c'est... Voilà. Il a planté son reportage. Il a planté son reportage. Tu vois plus vite que la musique, non, c'est ça? Ouais. Et alors, au bout d'un moment, il me dit... je le vois qu'il se lève. On allait attaquer la danse et tout. Il se lève. Et puis, moi, je le vois pas se barrer, tu vois. Il met sa veste et tout. J'ai dit, oh la merde, qu'est-ce que je fais? Et alors, je me dis, il est tellement timide, lui, que je le revois plus jamais. Oh, que c'est beau. Alors, le seul, je me lève. Derrière. Et je fais, excusez-moi, vous partez là? Je pars. Ouais, bah oui, là oui. Et lui, il me fait, bah oui, parce que je dois monter le sujet cette nuit, et puis demain matin, je me lève. Mais c'est moi le sujet, montez-moi. Là, c'est classe, là. Non, et le lendemain, j'appelle mon attachée de presse et je dis, je veux le nom de ce mec. Elle me dit, oh, génial, génial, enfin, un mec qui t'intéresse, tu vois, parce qu'elle a peur que je vire Goudou à force, hein, tu vois, quand même. Ils ont pensé réellement que tu pourrais finir vieille fille Non, Goudou. Oh, non. Alors, il faut que je te raconte, je la rappelle à son boulot et je lui dis, machin, bonjour, c'est Hélène. Et puis, il regarde, il fait, c'est une blague, machin. Et 1h15 au téléphone et on se fixe un rendez-vous. Et on se fixe rendez-vous, moi j'avais un truc à faire, je lui fixe rendez-vous à minuit. À minuit? Ouais. Ouh. Et comme je voulais pas aller dans un endroit public, je lui file rendez-vous chez moi. Oh là là. Oh là là. C'était mignon, ça devient dégueulasse. Ça veut dire. Non, c'était mignon, mais ça devient dégueulasse. Ça veut dire, chez toi là. Non, pas du tout, mais bon. Chez moi à minuit. Chez toi. Viens chez moi à minuit. Moi j'arrive à poil. Je m'assois sur le canapé. Non, mais c'est fleur, mais à poil. Minuit, je m'installe sur le canapé, je m'étais maquillée, t'étais là. Et puis là, j'attends. Attends, attends, je me mets la télé, je commence à attendre. Et en fait, 4h du mat, pas là le mec. 4h et quelques, mon téléphone sonne.
J'entends un mec à moitié trompé. J'ai monté le sujet. C'est quoi le code? J'entends. On a eu des copains. C'était des jours et des jours plus tard. Ouais. Des jours plus tard. Je suis avec toute l'équipe, le public à la musique. Il me fait, c'est trop tard pour le rendez-vous. Et moi je fais, non, pas du tout. Tu vois. Je retourne me maquiller, il arrive. Et en fait, j'ai su 2-3 mois plus tard qu'en fait, c'est parce qu'il a passé 4 heures à se dire, j'y vais pas. Il flippait quoi. Ouais. Il vient, on parle toute la nuit. À 7 heures, il se barre. Moi je voulais pas qu'il voit mon fils. Il se barre. Et on se revoit. Et à chaque fois, on se voyait, on se quittait en serrant la main. Ça a mis un moment, cette histoire. Ah, yes. Et il part en c'est vacances. C'est le meilleur coup, ça. C'est ceux qui viennent de loin. Quand tu te retiens comme ça, quand tu te retiens comme ça, en général, ça part bien. Après, c'est festival, c'est vrai. Je suis d'accord. Et alors, il vient, on se revoit plusieurs fois. Et un soir, il m'invite au resto japonais. Et on se fait tout le dîner, à la fin du dîner, je me suis dit, c'est pas possible, si je l'embrasse pas, il m'embrassera jamais, quoi. Ah, que c'est beau, ouais, c'est beau. Mais ce qui m'a caché, quand même, c'est que j'ai, toute la soirée, j'ai eu un bout d'algue ici, quoi. C'est donc, je l'ai embrassé, c'était... Et alors, après, ça, quelques temps après, on en est arrivé à des choses plus intimes, mais tu vois, bon, c'est trop mignon. Bon. Et ça fait combien de temps, maintenant, que vous attendez? 4 ans passés. Tu commences à ressentir une certaine lassitude. Ah, pas du tout. Je suis amoureuse folle. Je trouve que tous les mecs sont minables. Minables. Bonsoir. C'est monsieur Orlando. Oui, au quatrième étage. C'est monsieur Lesnéard, 4e étage. Ah, ça a été long, mais on s'est rencontrés quand je jouais Napoléon. Elle m'a maquillé. J'ai eu un coup de cœur pour elle et c'est seulement 2 ans après que je l'ai revue par hasard sur un film et qu'on a compris qu'on avait perdu 2 ans. J'espère qu'on n'est pas trop lourd, hein. Parce que Dominique tient une coupe de taille et mange un peu. Le jour où tu reviens, ça me laisse. J'espère qu'elle ne reste pas bloquée entre 2 étages, qu'on passe la soirée ici. Messieurs, bonsoir. Bonsoir, Orlando, bonsoir, ça va bien? Vous voulez me confier à la cuisine? Confiez-moi vos vêtements. Autant les femmes, ça ne les gêne pas d'être dans l'ombre, autant les hommes. Bien sûr, moi, vous les gardez, vous les gardez? Allez-y. Bonsoir professeur. Est-ce qu'on se connaît? Pas du tout, hein. Ça va, comment ça va? Il est là ce soir. Qu'est-ce que j'aime ta couleur de cheveux, Orlando, mais vraiment. Mais comment se passe le renard? C'est du renard mort. Chaque dimanche, c'est ma fête. Mais non, c'est de la peau du lapin. Maria Carré. L'autre fois, il y a Maria Carré dans l'émission. Est-ce que vous connaissez Orlando? Alors, Maria Carré. Yes, Orlando, The City. Non, pas The City. Orlando, le frère de Dalida. Ah non? Mais c'est pas Orlando, là, non là. Et c'est là que ma fille s'est levée pour la gifler. Ouais. Et c'est là qu'on lui a dit, il a un renard mort sur la tête. Oh, elle la vache. Répétez, j'étais à Lyon. Dead Fox. Elle dit, oui, Dead Fox, il a un renard mort sur la tête. Allez, au renard mort, au furet émasculé, puisqu'il va vous raconter. Et à Mathieu, qui est loin d'être un furet émasculé. Alors, il y a un truc qui me fascine, là, c'est qu'ils ont trouvé un truc, en fait, qui remet en cause toutes vos théories, mon cher ami. Là. Pas du tout. Bah, si, arrêtez. Oh, c'est lui, là, c'est l'inventeur de Lucy in the Sky. Ah, c'est pas l'inventeur, c'est le découvreur. Le co-découvreur. Ils ont trouvé l'homme de Lombok, là. Oui, bien sûr. Ils ont trouvé un petit mec comme ça, à côté de Bali, là, à Lombok, là. Oui. Alors, il faut vous dire que dans les îles, les animaux, en général, diminuent de taille. Oui. Dans les îles de la Méditerranée, dans les îles de l'Indonésie, dans les îles des Antilles, il y a des quantités de petits bestiaux qui sont devenus vraiment petits. Mais les éléphants qui étaient sur le continent asiatique sont devenus 4 fois plus petits dans cette île de Flores. Il y a un crocodile qui est aussi tout petit. Et le bonhomme, finalement, a subi la même pression de l'environnement. Ça a dû mettre d'ailleurs un certain temps. Et il est devenu, en effet, tout petit. L'homme de Lombok ? Un mètre. Ouais. Pour avoir, c'est quoi? Il s'est adapté pour mieux jouir de l'espace réduit qu'il y a dans le ciel. Oui, c'est naturel, hein. Ouais, c'est étonnant. Hein. Oui, c'est étonnant. Enfin, c'est quand même, les bestioles, on le savait, on le sait à travers toute la planète. C'est la première fois qu'on a la preuve qu'un homme peut rétrécir. Peut subir comme les autres. Comme les autres. Il est devenu pygmé. Donc il est devenu les éléphants. T'étais où, toi? À New York. Ah, il faut qu'il frime.
Ben, je flemme pas, j'ai fait mon travail, j'étais à la Semaine Unie France. Ah ouais. Et j'étais voir Kathleen Turner au théâtre dans Capper Junior de Virginia Woolf. Ah ouais. En soirée, elle n'a pas joué, on a eu la doublure. J'étais avec Marc Keller, on a pris nos places, invités par Kathleen Turner, qu'on paye, parce qu'en Amérique, on paye toujours les places, même des invités. Et puis là, on a regardé le programme, et à un moment donné, elle ne joue pas. Elle a eu un moment de déprime, elle n'a pas joué. Varicelle. Donc on a vu la doublure. Ce qui était drôle, c'était de voir Marc Keller. J'adore Marc Keller, qui est très drôle. Je vais me faire rembourser. Elle dit non, on va voir la pièce. Elle habite New York, Marc Keller, maintenant. Ouais. Tu connais Marc Keller? J'adore. Marc Keller, c'est installé aux États-Unis, je ne savais pas, moi. Suisse. Mais elle travaille énormément. J'adore cette actrice. Oui. Elle est belle, on ne parle pas. Elle est belle, elle a vraiment son beau visage. Elle a un Jules américain. Elle a Al Pacino, quand même. Non. Elle n'est plus avec lui. Ouais, mais je crois qu'elle... Elle était avec Al Pacino. Mais enfin, quand ils avaient fait un film sur les voitures, là. Tu savais, toi? Non, il ne sait rien, lui. Attends. Alors, tout ce qui est Lucie et tout, alors là, bien Lucie, sûr. Lucie, avec qui? Ah, Lucie. Avec qui elle était, Lucie? Avec un tout petit qui était avec. Avec Bouvard, non? Non, c'est pas vrai, ça. Non, il est vieux, Bouvard, mais pas au point d'avoir été avec Lucie. Le bonheur. Bonsoir. Bonsoir, je suis à ma gloire. Oui, dis-moi, tu vas. Quatrième étage, s'il vous plaît. À tout de suite. Bonsoir Galéa. Ça va? Vous allez bien? Bien, merci. Magloire, bonsoir. Ça va? Tiens ta veste. Oh, Mademoiselle Galéa. Comment ça va? Nous sommes dans la couleur. Mais... Qu'est-ce que c'est que cette heure? Oh que c'est beau, j'adore, c'est joli. Ma fille veut un chihuahua, je vais lui acheter, hein, franchement. Dans les boîtes, tu achètes des petits livres dans les boîtes, tu veux la boîte. Je peux te garder un peu. Tu le gardes. C'est mieux que mon bijou de portable, hein, quand même. Oh, il est mignon comme tout, ce chien. Je savais pas que t'aimais les petits toutous. Non, j'aime bien. Non, parce que ma fille en veut un, je lui dis non, mais je vais lui dire oui. Oh, qu'il est beau. Oh là là. Hélène, tu es à ma droite. Domino. Bon, on va le bouffer tout de suite, non, je crois. On va pas s'emmerder. Hein. Bruno Solo ici, Monsieur Besnéard, Monsieur Magloire, Monsieur Copain, je crois que vous êtes là. Magloire, tu l'as appelé comment, ton chien? Place Vendôme. Pour faire plaisir à Nicole Garcia. Ça tremble tout le temps, ces chiens, là. Ah oui, ça tremble. Ah, ça tremble énormément. Alors, tu peux sabrer un chihuahua? Non, mais comme ça. Si tu le fais bien, il souffre pas. Si tu le fais bien, il souffre pas. Regarde, tu sais, il faut bien viser avant, comme ça, et PAM! Non. Et là, hop, t'en sers un peu à tout le monde. Ça tremble toujours, non, mais même à plus 40, même au micro-ondes, ça tremble encore. Parce que, oh, le pauvre, le chien s'appelle Vendôme. Magloire, Vendôme, il est terrorisé. Non, pas avec toi, elle va se calmer. Mais je suis pas Fogiel, moi. J'avais prévu ça à toi, mais c'est très bien. Oui, c'est très bien. Oh, tu sais ce qu'elle m'offre? Elle m'offre des bijoux de portable avec la Vierge Marie. C'est vraiment... Non, c'est pas des bijoux de portable. Ça se met autour du cou. Ça. Mais les plus vierges. Je peux m'en servir comme bijoux de portable. Ça porte l'amour. Ma fille veut un chihuahua. Et je veux dire la vérité. Je confondais avec Pékinois. Donc elle me disait... Quand elle me disait je veux un chihuahua, j'ai non. Parce qu'un Pékinois, c'est moche. Un Pékinois. C'est plus gros. Ouais. Mais un chihuahua, je suis d'accord. Je vais l'appeler tout de suite. Je vais l'appeler tout de suite. Je vais dire voilà, tu vas être ravie, ma fille. Oui, je voudrais parler à Nina. Non. Tu dis pas que oui, c'est Thierry. Une histoire en ce moment. C'est papa. C'est qui appelle là? Ma fille pour le chihuahua. Parce que je savais pas du tout. En fait, je savais pas du tout ce que c'était un chihuahua. Quand je vois ça, je trouve ça génial. Tu sais pas ce que tu... Mais non, je peux confondre avec le pékinois. Tu connais plein de choses et tu... Ouais, je confondais avec le pékinois. T'as jamais pris un peu ta chihuahua ou chez... Mais c'est très beau, non, franchement. Allô, Ninon. C'est un chien, le chihuahua, c'est un dessin. Alors, je vais te dire, Magloire a apporté un chihuahua. Et je te fais toutes mes excuses, Ninon. Toutes mes excuses. Je confondais avec le pékinois. Et le chihuahua est un chien magnifique. Ils n'ont pas les mêmes yeux, hein. Ah non, mais... Ça. Et donc, je suis d'accord pour que tu aies un chihuahua. T'es content? Elle est contente. Ça coûte une forêt, hein, je te dis. Ah bon, ça coûte une forêt. Ah ouais, ça coûte un... Ça coûte combien?
Ça coûte 1800 euros. Ouais. 2000 euros. Ah ouais, alors rappelle ta fille. 2000 euros. Rappelle ta fille. Dis donc, c'est papa. Dis-moi, oublie tout ce que je t'ai dit. On va rester sur le potage pékinois finalement. Je te fais ça demain. C'est très très cher. C'est un truc, je vous jure, ça me fascine. À un moment sur la Terre, j'écoute. Il y a eu des Néandertals, oui, qui ont vécu en même temps que des Cro-Magnons. Oui. Et ça, c'est extraordinaire, vous êtes d'accord? C'est-à-dire que c'est deux races d'hommes différentes. Ouais. Qui vivaient ensemble, et finalement les Cro-Magnons ont survécu, et les Néandertals... Il y a mieux que ça, hein, puisque à cette époque-là, il y avait donc Néandertals en Europe, il y avait Cro-Magnons ou l'Homo sapiens, quoi, ouais, en Afrique et en Asie, ouais, il y avait une forme d'humanité particulière à Java, ouais, et puis cette toute petite humanité particulière à Flores. À Flores, c'est le petit homme de Flores, c'est celui qui mesure un mètre. Ça faisait quatre humanités contemporaines. Alors, ça évidemment, ça me fascine. Elles s'ignoraient, elles s'ignoraient. Non mais ça n'existe plus aujourd'hui. Mais non, aujourd'hui tous les êtres humains, oui, sont pareils. Bah, donc à l'époque il y avait encore des races d'êtres humains différents. C'est ce qui me semblait. Je me permettais de regarder vos crânes au passage et ma foi, bien qu'ils soient couverts. Oui. Bien qu'ils soient couverts, je me disais, sont des sapiens. Qu'est-ce qu'il avait de différent du Cro-Magnon? Les Néandertals et les sapiens sont partis d'un même ancêtre. Ah. Que l'on appelle Homo erectus. D'accord. Oh, et c'est à moi. Absolument. Et cet Homo erectus, il a donné Néandertal en Europe parce que quand il s'est déployé sur toute l'Eurasie, en Europe, la population a été enfermée par les glaciers. D'accord. Qui se développaient à ce moment-là. Un peu comme dans l'île de Lombok, oui, c'est-à-dire enfermée. Voilà. Absolument, absolument. C'est un isolat au sens propre. Ouais. C'est un isolement au sens propre. Une insularité. Et le petit bonhomme là-dedans, il a dévié génétiquement, c'est-à-dire qu'il est devenu autre chose, et il est devenu cet homme de Néandertal qui est plus court, plus trapu, plus costaud, avec une tête un peu boursouflée, avec un front absent, un menton absent. Donc il est plus proche du singe, tête, enfin quoi. Il est arriéré par rapport à l'Homo sapiens, il est arriéré. Non, il a une sale tête, oui. Oui. Donc ce Néandertal a vécu tout à fait tranquillement en Europe. Ouais. Et moi, j'ai fouillé, par exemple, des sites tout près de Malaga, dans une grotte qui s'appelle Zafaraya. Et là, Néandertal était, il y a très peu de temps, il avait 25 000 ou 30 000 ans, et il était complètement inconscient que tout le reste de l'Europe était cro-magnonisé. Ouais. Il vivait tranquille derrière sa montagne. Et il a fallu que Cro-Magnon, qui est Homo sapiens, gagne du terrain et petit à petit s'installe en Europe, s'installe à Java, s'installe à Flores, et finalement prévale sur Néandertal en Europe, sur cet Homo erectus particulier à Java, et sur l'homme de Flores, le tout petit. Mais est-ce que c'est les Cro-Magnons qui ont tué les Néandertals? Ben, ils ont tué d'une certaine manière, oui. Lorsqu'on étudie les tout petits Homo sapiens, les tout petits Néandertals, lorsqu'ils ont un an, le Néandertal a déjà 70% à un an de son cerveau, alors que l'Homo sapiens n'a que 50% de son cerveau. Ce qui veut dire que l'Homo sapiens a beaucoup plus de temps d'apprentissage, beaucoup plus de temps de croissance. Et ce temps de croissance va lui permettre d'acquérir beaucoup plus de connaissances, alors que Néandertal sera plus vite. Il est rapidement mature, adulte, il est rapidement c'est ça, fait, quoi. Ouais. C'est ça. Ouais. Et finalement, c'est ce qui va sans doute entraîner sa perte, quoi. Il y a des poissons qui vivaient en surface, qui s'appelaient des sélacanthes. Ouais. Ils ont été embêtés. Ils sont aux Comores maintenant. C'est ça. Il y en a toujours aux Comores, des sélacanthes. Ils ont été embêtés par ils ont été embêtés par des petits poissons et ils sont descendus. Ah. C'est-à-dire qu'ils se sont adaptés au grand fond et on les avait perdus de vue depuis 60 millions d'années. Mais on les connaissait fossiles il y a 60 millions d'années. Et aujourd'hui, on les pêche en effet au large des Comores. Sur les billets de banque des Comores, il y a des 60 sélacanthes. Millions d'années, mais un animal qu'on retrouve 60 millions d'années, c'était une des plus grandes découvertes paléontologiques que j'ai connues. Ce que je veux dire, c'est que pendant longtemps, moi j'ai pensé que le Yeti pouvait être un de ces primates vivant à la surface, embêté par les hommes, et qui était monté pour être tranquille. Ouais. Et donc, qui serait dans les hauteurs où on l'atteint un peu, où il est apparemment très sauvage, où il est apparemment très, très timide. Oui, c'est un primate qui s'est réfugié dans les hauteurs, comme le poisson en question, le sélacanthe s'est réfugié dans les hauteurs. Absolument, c'est bien ce que vous dites. Oui, c'est une supposition. Oui.
Moi, cette histoire de poisson qui sort de l'eau, qui devient un quadrupède, qui devient un bipède, qui grimpe aux arbres et qui devient un homme après, moi, le chaînon manquant, je l'ai toujours cherché et donc j'ai beaucoup de mal à y croire à cette théorie-là. Je veux bien que l'homme ait été un homo sapiens beaucoup moins évolué qu'aujourd'hui, puisqu'il a eu des millénaires pour évoluer, mais pourquoi les singes n'évoluent plus? Voilà, qu'est-ce qui... Ils continuent à évoluer. Oui, ils évoluent, mais... Ils continuent à évoluer, mais on verra. Mais attends, ce sont des périodes tellement longues, quoi, c'est absolument imperceptible. Mais tu y crois, toi, à l'évolution? Tu penses? Moi, j'ai du mal, vraiment. Excusez-moi, il y a mon fils qui est en larmes pour le chien. Ah, pourquoi? Parce que lui, il veut un Rottweiler. Je sais pas ce qu'il voulait, il en voulait un. Il veut un Rottweiler, je sais. Excusez-moi. Je ne peux pas me contenter de l'évolution, enfin en tout cas de la théorie biblique, pas plus que de celle de Darwin. De Darwin, voilà. Darwin, il n'y en a aucune qui me convient. Qu'elle a été battue en donc, mais je manque d'arguments et de culture à ce que tu veux dire, tu ne crois pas que l'homme a été, enfin tout a été créé en 7 jours non, comme dans la ça, Bible. Non, ça, je crois pas. Et tu ne crois pas non plus qu'on était des grenouilles. Ah, c'est marrant, ah, d'accord. Tu te mets à la place du paléontologue. Oui. Et qui fouille. Oui. Et qui n'a pas d'idée préconçue. Hein. Oui. Il fouille. Donc il fouille dans la. Il est au-dessus là. Il fouille dans la première couche, il trouve des hommes comme aujourd'hui. Et puis dans la couche au-dessus, il trouve des hommes un petit peu différents de ceux d'aujourd'hui, mais qui sont très proches de ceux qu'il vient de trouver au-dessus. Et puis il continue à fouiller, puis finalement il trouve des gens qui ont l'air très très différents, et s'il les avait trouvés du premier coup, il n'aurait pas reconnu que ceux-là étaient les ancêtres du saut du dessus. Mais il a tous les intermédiaires. Mmh. Et puis il continue. Et puis finalement, de proche en proche, il passe, alors là je vais aller fort, de l'homme au singe, du singe aux mammifères, des mammifères aux reptiles, des reptiles aux batraciens, aux amphibiens, des amphibiens aux êtres unicellulaires, et même à la matière. Mmh. C'est un grand coup, hein. Même l'existence de nos ancêtres et de nos aïeuls, on peut absolument pas voir l'évolution des espèces. Mais oui, c'est sur des périodes tellement longues. Ce que dit Yves Copin, c'est qu'aujourd'hui, la technique va moins. Il dit un truc terrible. Il dit que la technique va beaucoup plus vite que l'évolution biologique des êtres. Et qu'aujourd'hui, on est dépassé par l'évolution. C'est-à-dire que nous, physiquement, biologiquement, on évolue lentement, alors que la technique évolue très vite. Oui. C'est ça, la grande théorie de Copin. On est obligé de tout faire. C'est Fréchon qui livre. Merci. Mais ceci. Voilà, ce soir, on a préparé un petit Saint-Pierre avec des épices, cumin, poivre de Sichuan. Et les premiers légumes de printemps. Saint-Pierre. Ça, c'est un poisson, donc ça deviendra un jour un homme. C'est un peu du cannibalisme. Vas-y, mange avec appétit. Je voulais te poser une question. Oui. Dans toutes les histoires de stars, de chanteuses ou d'actrices, il y a tout le côté spectaculaire. Et puis, il y a toujours le petit truc. Et un jour, je t'ai entendu parler d'une histoire, d'un fait divers ailleurs. Et j'ai trouvé ça très beau que tu parles des patrons qui t'engageaient, qui ont été ensuite accusés. Il est en prison, mon patron, je le dis. Et moi, je le respecte. Et moi, j'ai trouvé ça très beau. Attends, laisse-moi parler. Parce que je trouve que c'est très beau. Tu as dit, écoutez-moi, ils m'ont permis de chanter, de manger. Je vais te dire une chose. On sait très bien que le milieu de la nuit, dans le Sud, c'était mafieux. J'ai commencé à 14-15 ans. J'ai toujours dit bonjour, au revoir à mes patrons. J'ai jamais voulu me mêler de quoi que ce soit. Mais cet homme-là, quand j'ai été tapée chez lui, j'avais 18 ans, j'étais enceinte de mon fils et il fallait que je travaille. Voilà. J'ai été tapée, je lui ai dit voilà, je cherche du travail, je suis chanteuse. Et lui, il me dit, et je lui dis, mais je préfère vous dire, je suis enceinte. Il me dit, mais moi, je veux bien vous prendre pour ma saison d'été, mais si vous me lâchez pour votre grossesse, je dis, je vous promets, je vous donne ma parole. Il me dit, moi, une parole, c'est une parole. Je vous donne ma parole que je vous engage, mais vous me donnez la vôtre, que vous ne me quitterez pas en pleine saison. J'ai chanté jusqu'à 7 mois de grossesse pour mon fils Raphaël. Il m'a fait travailler. Je peux te dire que j'étais très malade chaque soir avant d'arriver. Mon patron attendait que je récupère. Il me refaisait manger et tout. J'étais coucounée par cet homme qui s'appelle Gérard Final, qui avait sa femme Monique. Et les trois enfants qu'ils adoraient. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'ensuite, cet homme, il a donné à manger à beaucoup de musiciens parce que dans le Var, il n'y a pas beaucoup de travail. Moi, je l'ai quitté un jour pour monter à Paris. Je suis toujours retournée le voir. Entre-temps, il a été inculpé de complicité dans le meurtre de Yann Pia ou d'être commanditaire, peu importe. Quand la procédure a eu lieu, on a crié au scandale. Dernièrement, je suis très contente parce que sur Canal+, il y a eu tout un reportage qui a été fait là-dessus. Où on a montré que c'était les politiciens en place à l'époque au Conseil régional qui tramaient tout ça entre eux. Et que Yann Pia devenait gênante. Lui, il a été... Je pense pas qu'il soit blanc comme neige, cet homme, mais ça ne me regarde pas. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il a été... je pense qu'on lui a fait porter le chapeau
pour d'autres gens mieux placés que lui. Je pense aussi que ça a été un homme droit avec beaucoup de gens. Et moi, je suis retournée effectivement voir ma patronne un jour et je l'ai embrassée. Et ma patronne a éclaté en sanglots en me disant : « Tu es la seule qui est revenue nous embrasser et tu es la seule en plus qui a réussi. » Voilà. Alors, tu vois, quand je vois tous ceux de Piano Bar que j'ai recroisés après par la suite, qui n'ont rien fait d'autre que du piano bar, qui ne sont pas connus, qui ne peuvent pas communiquer, et qui, en plus, ont tourné le dos à ces gens qui les ont fait manger pendant des années, ben, je ne les respecte pas. Et je respecte ce patron qui m'a fait manger, et je respecte la droiture dont il a eu égard envers moi. Parce que je peux te dire. Droiture. Exactement. Moi, j'ai vrai que j'ai eu une drôle de vie. Je suis partie à 14 ans, je me suis bagarrée toute seule des années. Mais c'est vrai que j'ai rencontré des bandits. Mais moi, je trouve qu'il y a des bandits d'honneur. Et aujourd'hui, mais moi, je trouve qu'elle a raison. Parce que le milieu de cette époque, il y avait un code d'honneur. Oui, ça. Et il y avait... Non, non, je suis désolé. Je parle pas de voyous. Je parle de voyous. Parce qu'en même temps, ces mecs-là mettaient des filles sur le trottoir. Mais il y avait un code d'honneur. Et je trouve que son attitude... Moi, j'ai toujours aimé les actrices ou les acteurs qui ont frôlé avec le grand banditisme. Parce que je pense que le grand banditisme... Enfin, je dis pas que t'as frôlé. En flirter. C'est des héros de cinéma, tu vois. Oui, c'est vrai. Et je trouve, moi, j'ai rencontré un jour Francis le Belge, il m'a impressionné comme un acteur m'impressionne. Il avait un truc. Il y en a une autre qui est fascinée par les voyous, c'est Béatrice. Hein. Ah, je suis pas fascinée, moi. Béatrice, elle est. Béatrice Gall. Elle n'est pas fascinée par les voyous. Par les provocateurs, plutôt. Non. Elle est. Non, non. Elle est tombée amoureuse d'un. Elle est tombée amoureuse de son partenaire, sauf qu'il avait. Oui. C'est un voyou. Bah, c'était, elle a fait un film dans une prison qui est tête d'or de. D'après Paul Claudel, fait à la prison de Lorient. Moi, je trouvais ça très bien qu'elle aille faire du théâtre et qu'elle aille faire de voir l'expérience de la prison pour, comme une rédemption de tout ce qui lui est arrivé. Sauf qu'à un moment donné, elle tombe amoureuse de son partenaire qui ressemble à Benicio del Toro, sauf qu'il n'est pas à Hollywood, il est à. Et le problème, comme elle ne triche pas, elle est tombée amoureuse et bon, et je la respecte et je pense qu'elle ne sait pas tricher parce qu'elle sait très bien que ce qu'elle doit faire, ce n'est pas rigolo d'aller toutes les semaines changer le linge au milieu de toutes les femmes qui attendent comme Yvan Le Bolloc et moi il y a quelques années à Bois d'Arcy, avec notre amener du linge pour les gens qui sont en prison. Mais je crois que moi je respecte parce que je pense que c'est un truc très romantique et elle est amoureuse. Ben oui, je crois que dans sa vie, c'est une forme de rédemption. Je crois qu'elle, toutes les conneries qu'elle a faites, elle veut prouver qu'elle peut donner de l'amour et prouver qu'elle peut aider les autres. Donc on est plus fort. Salut. Ça va ? Ça va ? Mets-toi là, approche là. Je sens que tu es. Et professeur, sérieusement, est-ce qu'on a la preuve que dans la préhistoire, enfin, je veux dire, les Homo sapiens, Homo erectus, les Néandertals, les Cro-Magnons, est-ce qu'ils étaient homosexuels ou non? Ou est-ce que c'est vrai? Alors, professeur. Si c'est important. Je pense que oui, je pense que c'est important. Moi, je pense que oui. Mais bien sûr que oui. Laissez répondre le professeur. Attendez, monsieur, si vous pouviez me donner une formule pour m'arranger dans mes relations avec les hétérosexuels. Mais, le professeur m'a dit que. Mais c'est alors. Laissez-le répondre, c'est important. Ça, c'est la. Ça la... me semble assez évident. Ah, j'adore ça. J'adore. Est-ce que Cro-Magnon a couché avec Néandertal? J'adore ce silence. Non, j'aime sûrement. Bien. Alors, il est évident que sur les ossements, ça se voit pas bien. Hein. Ah, bah ça. Ouais. C'est pas très commode. Au niveau de l'osdibassin, on quand tu t'es fait casser le cul, ça se voit. L'osdibassin, sans une usure. C'est pas que c'est dégoûtant, quoi. Mais ceci étant dit, il n'y a aucune raison que tout d'un coup, on ait. Découvert cette merveille et qu'elle n'ait pas été pratiquée dans la préhistoire. Moi j'ai eu deux petits lapins que j'ai achetés à mon fils quand il était tout petit. Ah, mais ça, les lapins, c'est pas possible. Moi, je peux vous dire qu'ils s'en foutaient, filles ou garçons. Ils y voient rien, ils ont de la myxomatose, ils se confondent. Donc si c'est animal, c'est forcément humain. Il se tape aussi. C'est un cadeau. Vas-y, raconte-nous.
Eric Fréchon. Oh, que c'est joli. Qu'est-ce que c'est? Mais ça, c'est en quoi? Une feuille de chou en chocolat. Ça me fait tellement plaisir. Je me dis pas, c'est pour Hélène. Elle prend plus de chocolat. Avec un bébé dedans. Ça veut dire que tu vas en avoir la troisième? Non. Ah, moi, j'ai envie d'en avoir la troisième. D'ailleurs, je lance un message immédiatement à ma femme. Je veux un troisième enfant. C'est sûr. شال جواهف نرا باشیم مدی مشم به اومه گادشیم میگیزیز که به دولا باشیم او دیشش گدان سرهی می سره ایم او بابین در اید جدر ارها فرمای فرصا Quand j'étais petit, j'allais aux conférences de presse de Harakiri, de Charlie Hebdo, et Reiser, Volinsky et Professeur Cheron me prenaient sur leur genou. Ne me la faites pas pleurer hein. Non, non, mais c'est vrai, on a ce truc en commun tous les deux. Ça va, on l'a découvert assez tard d'ailleurs, parce que moi j'ai longtemps ignoré que Michel était la mort. La mort de ton père t'a permis de voir que les gens l'aimaient vraiment. Ça t'a permis de voir qu'il était adoré. Bah oui, bien sûr. Ouais, c'est vachement important ça. Parce que, tu sais, on a gardé dans les médias l'idée du provocateur qui est resté. Mais c'était un provocateur, un vrai. Non, mais quelqu'un comme Gainsbourg, comme des gens comme ça, comme Coluche, etc. Il a beaucoup de temps. Mais si tu veux, papa, comme depuis des années, c'était quelqu'un qui est resté très en marge de tout ça, qui n'a pas réussi comme ces gens-là, comme Coluche, comme Gainsbourg, etc. C'est resté quelqu'un d'un petit peu en retrait par rapport à ça et qui n'a jamais fait de concession dans sa manière de faire. C'est un pur de chez pur. Et donc, quand il nous a quittés, j'ai eu ce moment formidable où je me suis dit, j'ai vu tous les gens dans la rue quand je me prends. J'ai vu tout ce monde à l'enterrement, j'ai eu des témoignages, des lettres, des gens qui n'arrêtent pas de me dire, mais sans votre père, moi, j'aurais tourné mal. Sans Charlie Hebdo, je ne serais pas venu ce que je suis devenu. Sans ces 70 ans-là. Et tout d'un coup, et je me suis dit, c'est formidable. Et l'autre fois, je suis allée au cimetière et je voyais un monsieur qui cherchait dans le cimetière. Je me disais, lui, parce qu'il n'y avait pas encore le nom de papa sur la tombe. Et je voyais qu'il cherchait, qu'il tournait. Il me dit, excusez-moi, je sais que c'est peut-être pas le moment, mais je vous vois là, votre papa ne doit pas être loin. Alors je lui dis, ben non, il est là, et là, merci. Je voudrais le remercier de ce qu'il mais a pas ça ne m'étonne pas du tout. Et, non, mais c'est vachement touchant parce que... Il avait quand même plus d'humour et d'intelligence que Stéphane Guillon, quand même. C'est un couillon fini. On le tue ce soir. Non, parce que si on l'est, ça veut dire qu'on lui porte de l'intérêt. Non. Comme dire Orlando, c'est une pauvre chose. Non, il a fait d'excellentes choses. C'est une chose très comédienne. Je déteste. Moi, je trouve que c'est un très mauvais acteur. Maintenant, il était à la télé, il a un devoir à faire et ce devoir. Le devoir, t'assumes. Parce que quand tu vois cet après-midi, j'ai vu des Antoine Decaune à l'époque, nulle part ailleurs où tu es recevé. Il y avait de l'humour. Il y avait pas de mission. Enfin, c'est une horreur ce qu'il éteint. On le déteste, nous. C'est un Il parle pas de la même façon à Michel Thor ou à Sylvie Vartan qu'à Alain Chabat. Soyons sérieux. Quand il parle à Alain Chabat. Quand il parle à Alain Chabat, il mesure ses paroles. Quand il est avec Béatrice Dalle, il mesure ses paroles. Quand il est avec Sylvie Vartan. Tu peux dire pour Guy Carlier, pareil. Tu peux dire pour Didier Porte, pareil. Pas pour Baffi. Pas pour Baffi. Oh, Baffi, t'en fous. Non, Baffi est capable de s'attaquer. Baffi casse tout le monde. Baffi s'attaque à tout le monde. Et pas seulement à Michel Thor. Michel Thor, il est capable de lui dire qu'elle est Barbara Streisand. Voilà. Alors, il va dire à Chabat que ses vannes sont moyennes. Moi, j'adore Baffi, je suis d'accord. Même aux gens qui l'aiment particulièrement. Baffi, c'est un vrai pur et c'est un vrai libre. Tandis que plus sa culture que Michel Thor. Oui, mais c'est pas une raison. Et on sait que les ratés ne vous rateront jamais. C'est un raté. Le pauvre. C'est un raté. Vive Michel Thor. Et quand on sait ce que Michel Thor a vécu. Oui, quoi, elle a vécu qu'elle s'est pas fait attraper par Paul McCartney. Et alors chante une chanson. Je suis un pro Baffi. Et moi, je te dis une chose. Stéphane Guillon, ou comment elle s'appelle, la Stéphane Bern. Oh, celui-là, Stéphane Bern, je l'ai vu cul et chemise à une époque. Et moi, chemise que cul, voyons. J'ai jamais été cul et chemise avec ça. Ma chérie, un truc sympa. Tu m'en voudras pas, ne le prends pas pour toi. Thierry, je voudrais savoir où ça se passe,
Le petit coin. Oh, viens, oh, viens, ça viens. Ça fait longtemps que je voulais aller, mais j'avais peur de me lever pour ne pas qu'on dise du mal derrière moi. Tout le temps. J'ai tenu jusqu'à maintenant. Je m'avais si défaillante. Viens, mon renard, viens. Ouais, viens. Imagine other people. Tu ne les entends pas.
chaque jour ce drôle de combat. On est arrivés ensemble, on repart ensemble. Un camarade d'ascenseur. Pas de folie dans l'ascenseur. Ah oh, bon, c'est pas le genre de la maison, tu sais. On n'a pas la place là. Il est marié, pas moi, donc ça risque pas d'arriver. C'est sympa, hein. C'est très. Ah, c'est très sympa. T'as des trucs comme ça, toi. Ah, c'est ton, ah oui, c'est ton porte-bonheur. Ouais, c'est le petit cadeau d'Hélène. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il a? Il a des pignons. Mais non, non, c'était très sympa. Mais un mélange de légèreté. Des fois, ça n'a pas l'air. C'est une sacrée grossesse, hein, cette Hélène Zéhira. Des fois, ça n'a pas l'air. Ouais, voilà, c'est... Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.